Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. La police nationale prend gros disposition pour mettre fin à tout zak banditisme qui a plongé société à depuis un bon bout de temps. La travaille chaque jour pour capable passer code dans tout le monde qui a la loi dans le pays. Opération se prend souffle là, pas campé. Et la continue frapper en dedans village dédié. Parce que fois ça, la police déclarait les papes sauti blanche. Nous continuons musique ça. Moi pas pralé, j'aime venir ensemble pas venir. Moi pas pralé, j'aime venir ensemble pas venir. Se reposer, venir reposer en bas le Saint-Esprit. Moi pas pralé, j'aime venir ensemble pas venir. Bon Dieu béni ou frère. L'important pour connaître qui ça qui cause tout groupe gang ça yo formé en dans pays ya. Qui est-ce qui campé derrière yo? Pour qui ça la police prend initiative ça pour mettre fin avec yo? Est-ce que l'armée Colombia entré dans opération ça? On va l'expliquer yo. Comme petit proverbe créole l'a dit, pas tant dominanger ou pour tant cabane ou bien j'en de capable dire est-ce que fois ça ça qui t'est passé dans veilla? Pas passé dans l'enterrement. Dans l'avenir, la police arrive à déposer la patte sous 7 jeunes garçons avec gros âmes fond foi qui te fait face carré ensemble avec la police. Machine ça, gagne un plaque à service de l'État 06 047 et c'est un Nissan Patrol. Qui côté le sorti? Qui sale t'a pral fait? Qui est-ce qui vaut elle et pour qui est-ce lié? M'bral expliquer. N'ap entré dans nos pays, mesdames, mademoiselles et messieurs, côté la police mette fin dans carrière, yon gros chef gang qui relève Mackenzie Silmon, alias Tifetier, qui c'est deuxième chef gang dans la localité Chada, qui j'en sais arrivé fait, nous pral expliquer. Dans Jacques Mel, plusieurs organisations doivent moun condamné à toute force, brutalité et mauvais traitement. 25 femmes qui t'a dans prison civile Jacques Mel, qui sibi en bas, mais c'est que policiers et policières. Comment action ça fait arriver? Comme nous connaissons, si gen réaction, faut que gen action. Dans cas ça, qui ça qui la cause que la police yo marche sous fiel prisonnier ça yo comme ça? M'bra l'expliquer. Rale tiches ba wo chita, fouko, zami info pa wo sot, marche chercher tout haïtien connecté. M'bra le bon tripotay là, nan bon timamite. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Encore une autre fois, m'abdou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer et merci pour fidélité ou patience. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait un plaisir en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification par là pour pas rater aucune vidéo. C'est amis Pao Foucault. Hier, nous t'ai baillé un petit compte et compte ça t'est très intéressant et compte ça qui c'était danger monté danger. Waouh! En pile fanatique, pas hésiter commenter pour te dire c'est femme enceinte qui m'a déchoué le plein. Bon, bah la difficile ou on danger encore fout monton l'autre danger. Ah, merci parce qu'on commenté. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, mes comptes pour aller chercher réponse li et pas hésiter quitter le pour nous dans commentaire, ça fait plaisir en pile. Vla vla, voyez dans coin. Vla ou, voyez dans le coin, pas oublier, quittez, commentez pour là, ça fait nous plaisir, en pile en pile. On entre dans le bulletin information nous pour aujourd'hui. Cause ou en pile dans le pays d'Haïti, eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça qui passe, la police descend en dedans village de Dieu et c'est que tout côté. Pour qui réseau choisit faire ça, pour qui ça bien avant, ça pas de quoi jamais arriver fait. Mais l'important tout pour qu'on ait, qui ça que la cause, groupe gang pour c'est quoi Jojo dans le pays d'Haïti. En pile fois, faut que nous pas dit vérité, l'élection élection qui pral fait, tout candidat, yo tout net, yo marché dans le ghetto, parler avec base, parce que quand on pas qu'à rentrer pour aller faire élection, donc yo obligé de jouer une entente avec groupe gang, ça. Et l'offin, ou arrivé bon, vrai, ou placé sous pouvoir, les ça, quoi, me souvle, ou pas qu'à dire ou ap déraciner, ou pas qu'à dire ou ap déchouquer, parce que, ou gagner pied pour l'arda, parce que faut qu'on toujours gère, faut qu'on toujours baille l'argent. Nan sens ça, y'a toujours vin lage la police, nan courir, demi matin lage, insécurité dans le pays, puis abdou, la police pas fait travail, la police pas dis, la police pas date. Mesdames, mademoiselles et messieurs, comment t'as qu'à comprendre, sous 2000 moun gagne yon policier qui pou bali sécurité?
2000 moun, c'est comme ça vous fait statistique là. Sous 2000 moun, il y a un policier qui l'a pour baler sécurité. Donc, est-ce que y a un grand policier qui a baillé 2000 moun sécurité pour contenir? Non! Il n'y a pas bon Dieu, il n'y a pas les anges, faut nous faire respect, nous. Donc, non, sans ça, côté bagaille la grave, c'est que, cartouche dans le pays d'Haïti, vend, même j'avec sachet de l'eau dans manifestation. Bagaille la pas facile, même. Ça veut dire, même que bandia, même j'ai été déclaré dernièrement, même que t'as fait 5 jours à tirer ensemble à la police, bal yo pas fini. Nan kasa ki kote yo jwenn bal, eh bien, c'est même moun sa ou ki fin entrer en dedans, ki te fait ki te allié ensemble avec yo, koun ya la fè ou bay yo munition pou yo rete camper bataille. Donc nan sans ça, est-ce que l'état pas coupable nan dossier bandi ka poussé nan pays a? Oui, l'état coupable. Oui, gang yo c'est gang l'état. Lèm di gang l'état, c'est tout moun net ki la dan, oui, parce que ki est-ce ki l'état? C'est nous ki l'état. C'est nous ki responsable. Et yo même dou yo responsable. Est-ce que nous comprenons? Donc là, nous pas ka arrive nou moment pou nan vi nou youn a tirer de l'eau sous l'autre, à bailler l'autre la responsable. C'est que c'est nous toutes qui responsables. La police prend contrôle tout si tout. Mesdames, mademoiselles et messieurs, si nous rappelons, nous, les ministres lui-même, te débarqué vin en Haïti pour te arriver, craser villa et pour te arriver, mettre cité soleil dans le wall, c'est pas petit bagaille petit. Pas de pièces! Militaire étranger qui vient entrer en Haïti pour te faire aller en dedans village de Dieu, sans par contre village de Dieu. Donc, raison ça, m'pense que li important vrai pour que la police seke zone nan pou yo konn ki va aller titou ki va aller ki entre parce que faut yo konn map zone. Lè ou pral nan yon pays yo pral meni opération ou pour tout soldat honnête yo gen map pays ya nan poche yo pour que yo capable arriver avec destination yo pour capable porter yon bon résultat avec ça k'ap passé. Mais pays d'Haïti tout son petit pays qui mal construit, est-ce que nous konn ça? Donc journée jodi a rentré nan riel ça ou ap sezi ou ti corridor et ceci c'est la bandi yo rete et le ministre li même tal mené opération dans zone sa yo depou al fin craser li tout mette bazila le craser prend sal mette bazila pour jusqu'à ce que li seke zone nan net donc bandi a pa ka rete c'est déloger pour le déloger et pour le ta courir mon cher bagal la pas facile pour lui à moins que le ta gen point puisque chaque côté au craser tout mettre bazio et yop veye à gauche yop veye à droite yop veye matin yop veye à soir yo pas capable joindre résultat ou pas capable déposer la patte sous. Donc comme nous c'est pour la première fois que USGPN lui-même lui descend en dedans village de Dieu, nous espérer gagner un bon résultat et faut ne pas oublier dans jour passé yo là. Donc réunion ta fait sous réunion ensemble avec responsable l'armée colombienne pour que nous capable mettre sécurité dans pays là. Pas caché, dis-nous, mesdames, mademoiselles et messieurs, si c'est la police nationale, même pays d'Haïti, qui campe, qui mette bonjour sécurité dans le pays, pas caché d'où, en pile l'autre pays a bat bravo, puisque, yo kon ki sa n'ka fait, sou question de tête ensemble nous pagé. De toute façon, nous espérons la police a pentré, elle pap sorti, j'en l'entendré, même j'en l'dil, opération sans prend souffle, garçon pas campé, nous espérons gen bonjour résultat, et ceci, zone si de la, mes amis, l'aime besoin pour un petit plaisir, maintenant, Jacques Mel, m'passe sans qu'elle saute. L'aime besoin aller port salut, m'passe sans qu'elle saute. L'aime besoin manger l'âme véritable en dedans Jérémie pour m'passe sans qu'elle saute. Donc, parce que nous tous besoin la paix pour que nous sikile dans pays à sans qu'elle saute. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, hier, bagay yo pa piti même dans pays d'Haïti. Donc, la police détecte vite machine, nous commence à ramasser kidnappé. Eh bien, dans avenir Millet, la police arrivait déposer la patte sous divers jeunes garçons, c'était des machines, mais yo arrivait prendre une et machine ça, c'est une machine un Nissan Patrol blanc qui immatriculé service de l'état 06047. Qui côté monsieur ça ou t'a sorti? Pour qui ça ou t'a tout zam ça ou nan mais? Qui est-ce qui bayol? À qui est-ce que yo affilié? Entend des déclarations porte-parole la police là, Gary Desrosiers pour plus de détails. Et on va permettre que je suis capable de partager effectivement quelques éléments de formation avant, même pas capable de partager tout, parce que pendant ma parole à volant, les véhicules ont fait au palais lui-même dans le niveau de la mission départementale de l'Ouest et gagnant et STPJ qui a fait enquête préliminaire là et probablement dans les heures où demain il y a peut-être transféré dossier au niveau de la direction centrale de la police. Effectivement, c'est gagnant selon toute information que j'ai pour le moment. De gagner une information à l'aide sur deux véhicules et qui t'a sorti en direction de Martissan zone couleur avec côté que des véhicules ça s'est tombé comme de couleur noire également y a une Nissan Patrol de couleur blanche et j'en dis un niveau plaque blanc c'est SP06047 côté que la police a arrivé intercepté véhicule ça avec mon qui a
est capable de sortir à l'aile d'un point, de venir à un point. Alors, ça, c'est moi qui ai gagné comme information. Et gagné 7 personnes qui ont interpellé et qui, pour le moment, a répondu aux questions au niveau de la SDPJ. Et j'en doute tout à l'heure, qui va transférer dans les minutes, dans les heures qui viennent, ou le matin, à la direction centrale de la police judiciaire. Mais et, c'est 7 personnes, mais c'est gagné plus de monde dans. Et nous sommes pas trop ça, c'est pour éviter parlement, côté que vous avez des chauffeurs, et qu'il y a toujours un quantité de tout qui est à bon véhicule, et qui est arrêté. Mais j'aime de là, pas bien anticipé, et il y a une SDPJ qui a proposé qu'il y ait un cap prisonnier, et n'a pas mesure fait un point, et pour les plus larges, sur. Question ça, dans la prochaine conférence de presse que nous avons présenté, soit demain ou vendredi. Alors, Jean Dolan, c'est à chaud que je partage les avoirs, nous avons élaboré un peu plus dans la conférence. Là. Mais ma chaîne a gagné plus que 7 personnes là-dedans, nous avons gagné oui, mais c'est 7 qui sont arrivées et interpellées. Ok, et puis, comme nous, là, nous-mêmes, nous ne pouvons pas arriver jeudi. Et puis, comme nous, là, nous prenons la fête. Il y a un bouquet là-dedans. Juste avant nous continuer avec bulletin information, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous n'en fait insolite. Nous là, n'a pas gardé ces pompiers, yon instructeur qui a instruit moun nan yon l'église côté si di fait apprendre qui sont capables d'éteindre di fait ça parce que nous connaît li important pour faire incendie pour qu'on tout ça qui passe si que di fait a pété la caillou pour qu'on qui première réaction que ou a fait. Donc si la caillou prend di fait mes amis, c'est gasoline qui bay li ou pas qu'a voye de l'eau puisque gaz là li pile léger passer de l'eau. Donc ou facile ou de l'eau a passe en bas et puis gaz là passe en l'air pour continuer faire des gars. Les comme ça obligé jouer une mousse pour mettre ou bien voye terre pour éteindre di fait. Eh bien, non, kapa instructeur ça, lui-même, c'est différent. Nous, j'en le campé, et instructeur nan men, la, et puis, gouille les billets, ajuste, et puis, s'entendez, la, fait formation qui j'en pour nous éteindre di fait. Eh bien, là, gon l'autre qui vini, yon l'autre pompier, qui accompagne li, et puis, yon li men di fia nan si ki vet la. Et puis, s'entendez, yon retire gouille là, et puis, yon peten di fia. Tandis, regardez bien! Et dan ni fait et mi di fait même continuer puis mais comment moun fait ils sont dit dans pays d'Haïti tu fout tout bouler l'église est-ce qu'on va décoser donc yon instructeur kap eten on di fait kap fait formation contre incendie, eh bien, c'est différent limité, pirate. Mesdames, mademoiselles et messieurs, on poursuit parce que nous pas qu'à quitter stress tout et nous dans le pays d'Haïti. Dans la commune Jacques Mel, eh bien, plusieurs organisations de Wamoun débarquaient dans la prison civile. Et Jacques Mel, là, côté 25 femmes sibi, mauvais traitement, embarmés, policiers et policières qui travaillent en dedans prison ça. Eh bien, ça qui fait discussion ça pété, c'est que, sur question de téléphone. Mais est-ce que prisonnier t'a supposé gain téléphone? Discussion en pété, c'est entre yon policier ensemble avec prisonnier là, nan jou qui était 7 pour 8 mars 2021 là, eh bien, bataille pété, m'pa caché dou, policier ou kembe prisonnier ou maspine yon bakou de bois, gain nan yo, regyo vini, avant lè, ça qui déréglé, ça, c'est sous cabane l'hôpital yo, obligé courir avec yo, pour essayer si de capable de sauver la vie yo, tellement yo prend mauvais coup. Donc, nous espérons instance concernée yo, ap fè poursuivi sous dossier ça parce que malgré moun nan en prison li gè droit quand même ou pa gè droit massacrer le comme ça mais si nous dit li pap utiliser téléphone faut que nous mettez bon gens contrôle nan gens de causer ça yo n'a entré dans nos pays mesdames mademoiselles et messieurs côté la police lui-même li arrivé éteint souffle yon gros chef gang qui relé Mackenzie Silmonor à la sortie fêtier qui c'est numéro 2 dans gang Chada. Et ça qui t'a pris le cause, monsieur mouri, eh bien, la police te débarqué dans la base là pour que une prenne monsieur, mais monsieur tellement fait résistance, donc la police pas hésité, pété balle ensemble avec elle. Non, pété balle, monsieur prend balle, et puis s'entendez, so là, le fin run, dernier soupili, sous cabane, l'hôpital. Gros nouvelle, mon ami, bienvenue. C'est sous TAC 609 ou connecté n'importe côté où y est, depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti, à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. La voix de l'Amérique a présenté
côté nous. Rendez-vous info. Actualité concernant le pays d'Haïti, jeudi mercredi 10 mars 2021. Bureau Nations Unies pour coordination des affaires humanitaires OCHA organisé une réunion sur situation humanitaire dans le pays d'Haïti qui est très grave d'après plusieurs représentants. Haïti toujours, ANAMA, APM, RENAMA, mandé magistrats toute juridiction pays pour continuer à respecter le mot de grève là pour forcer le gouvernement à retourner sous décision côté le révoquer trois juges cours de cassation. Et puis, États-Unis, dans un vote final et historique, Chambre des députés a approuvé à 220 voix pour et 211 contre gros projet loi secours COVID-19 là qui m'ont arrivé 1,9 trillion de dollars. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacques-Layen Bélizère depuis Studio 18, La Voix de l'Américaine, Washington. C'est un plaisir pour nous retrouver nous ensemble jeudi, mercredi 10 mars 2021. Nous comptons retrouver nous après les vacances et nous dit Jean-Aubert. Philippe, merci pour ce que tu es quimbé pour nous. Eh bien, nous prenons dans un gros point cap dominé actualité à côté que nous prenons rejoindre. Et journaliste Sandra Lemaire sous réunion Bureau Nations Unies pour coordination affaires humanitaires en parlant de OCHA qui organise une réunion aujourd'hui sous situation humanitaire pays d'Haïti et un pile représentant dit que ça grave. Sandra et Lemaire, où te suivent? Qui ça nous capable retenu de réunion ça, Sandra? Bonsoir Jacqueline, bonsoir à tout le monde. Eh bien, bien entendu, pire grand thème, non, c'est que tout pays qui parlait, yo gagne en pile inquiétude pour situation en Haïti. Yo dit que gagne 40% population qui besoin assistance humanitaire. Yo a fait de 4 millions 400 000 moun et que c'est un bagage qui vient aggraver à cause de pandémie coronavirus là, à cause de crise économique Haïti, à cause de instabilité politique, à cause de instabilité insécurité qui gagne en Haïti et que tout bagay sa yo travaille ensemble pour rendre situation grave. Gagne monsieur Bruno Le Marquis qui c'est adjoint et madame Lalime dans Binu et il c'est tout coordonnateur pour assistance humanitaire l'ONU en Haïti qui décrit situation aussi grave que situation en République centrale africaine et il dit que différence en c'est que pas gagne une guerre en Haïti, nous n'en mitan Caraïbes et que c'est un bagage qui vraiment bail que sauter. Il dit que et l'ONU paraît pour lui travaille sur ça pour aider Haïti, mais il dit que Haïti que l'ONU pas recevoir assez l'argent pour lui faire face avec besoin qui gagne en Haïti. Et qu'on y est là. Donc, il mandé pays mamio pour yo contribuer plus l'argent. Gagné République Dominicaine qui parlait tout, Jacqueline. République Dominicaine fait qu'on est ambassadeur que et yo gagné en pile inquiétude pour ça qui a passé en Haïti. Yo dit que bien entendu ça a affecté non seulement peuple haïtien, mais ça a affecté yo même tout parce que nous partager. Il a demandé pour l'ONU by Haïti plus assistance. Il dit que yo paré pour yo aider Haïti contrecarrer problème humanitaire ça yo, mais il dit que bien entendu faut gain stabilité politique. Donc il dit faut gain élection. Nous tendez en pile dans même thème que yo te souligné dans rencontre que Conseil sécurité Nations Unies t'es fait côté yo t'es dit que faut gain élection vite et pressé pour parce que démocratie stabilité politique essentielle. Les États-Unis fait qu'on est bien entendu que il toujours paré pour lui aider Haïti, il fait qu'on est que c'est lui-même qui baille plus l'argent qui contribue plus l'argent passé tout l'autre pays dans le monde à assistance humanitaire et il fait qu'on est que lui-même tous les plus grands pays donateurs et pour Haïti. Et donc, il dit que l'ambassadeur américain dit que faut gagner une réponse à problème humanitaire Haïti qui est un peu plus efficace et plus rapide et que il prend engagement pour aider Haïti pour faire que ça fait. La France souligne que faut Haïti gagne accès équitable à vaccin pour coronavirus. Tout le monde chante louange Haïti que coronavirus n'a pas vraiment été aussi grave que yo te
peur que l'État pralie en Haïti, mais il dit que ça pas veut dire que Haïti pas besoin d'assistance au point de vue soins santé, parce que il dit tout ça fait partie assistance humanitaire. Il y a un docteur Michel Payan qui t'est parlé, lycée représentant communauté moun aveugle en Haïti. Et l'été parlé vraiment de gens que communauté handicapée, c'est une communauté qui est plus vulnérable, leur a parlé d'assistance humanitaire. Et en Haïti, que y a plus concerné par ces toutes lotes et groupes mounio, secteur, exactement. Et l'y mandé l'ONU pour l'y pas parler seulement, mais passer à l'action. À l'action. Parce que l'y dit que vraiment nous besoin assistance vite et pressée. Sandra Mapfontire, ton moment. Et est-ce que il y a une autorité haïtienne qui t'a participé dans la réunion ça? Est-ce que ou bien tout ça fait des dos et autorité haïtienne yo? Non, il y a un premier ministre Joseph Jout qui t'a parlé, il était premier monde qui t'a parlé dans la réunion et premier ministre Jout t'a souligné vraiment tout problème que Haïti a confronté qui la cause que li dans situation ça li dit que gouvernement vraiment te prend engagement pour li contrecarrer problème et insécurité alimentaire mais que à cause de pays loc li souligne ça encore nous songe que président Moïse te souligne que pays loc tout leur a parlé avec conseil sécurité hein, que c'était un bagage qui était vraiment et fait Haïti fait gros pas en arrière il était bloqué pays hein, donc les souligne ça, mais Premier ministre Jout dit même l'ONU que pour lui-même avec pour gouvernement Moïse là, yo croit que faut qu'yo ta repenser façon que y a administré assistance pour Haïti, hein. Que Haïti besoin plus assistance, Haïti paré pour li travail avec yo pour yo analyser contribution financière qu'a fait yo pour que yo vraiment et travail pour yo administrer yo en façon qui pi fait sens pour Haïti leur considérer exactement qui pi logique leur considérer sa pays a besoin. Donc c'est ça vraiment que premier ministre Jout te souligne pendant la rencontre. OK, merci Sandra. Sandra Lemaire, journaliste et éditeur dans Salle des Nouvelles La Voix de l'Amérique là qui te suivent pour nous go réunion ça que OCHA t'est fait en parlant de bureau Nations Unies pour coordination pour affaires humanitaires et d'après ça et Sandra dit nous eh ben tout le monde qui prend la parole dit situation pays d'Haïti a très grave et puis on l'autre gros point qui a dominé actualité ici aux États-Unis président Joe Biden fait que saute parler là après ça en pile observateur en pile spécialiste et considéré comme une victoire historique après un vote final côté que chambre députée a approuvé avec 220 voix pour 211 contre un gros projet Jean-Aubert Philippe était suivre ça pour nous Jean-Aubert Philippe et en pile monde dit que c'est une victoire historique et président Joe Biden va parler encore demain effectivement Jacqueline et c'est un gros projet et c'est un gros victoire pour le président d'après observateur et même analyste d'après ça dit maintenant discours bien qu'on a allocution président fait et quelques minutes après chambre des députés a fini voter et pour projet loi et bien il remercie d'abord tout effort équipe qui t'a fait effort pour te permettre que projet loi ça allait passer dans congrès et tout ça que t'es pour toute contribution que t'es fait il remercie particulièrement démocrates qui étaient soudés entre eux pour que le projet soit là, ils étaient voté parmi eux-mêmes, mais nous connaissons que les républicains, depuis dans le Sénat, déjà les républicains, pas d'accord avec le projet loi ça. Raison, ils ont d'abord critiqué les démocrates, le fait que les démocrates ont voté sur l'autre manière pour voter le projet loi. Par exemple, c'est plus passé à ça, ils ont utilisé une technique qui est la réconciliation budget, ça veut dire qu'ils ont besoin seulement une majorité simple. Pour que yon projet de loi passe, ben c'est ça qui aide que proposition là, mais projet soit la loi ça il passe. Président profite de annoncer que pour qu'on y a que administration a un vaccin disponible pour tout Américain capable pour un vaccin d'ici mois mai et il demander encore pour et il commander encore et 100 millions
et vaccin et pour mener et pays à pratiquement jusqu'à décembre. Mais si nous venons pour nous dire historique et budget ça ou historique projet de loi ça qui en fait passer. D'abord c'était depuis samedi et démocrates ont été capitaine de face et républicains ont été capitaine de face aux opposition par retour pour ne pas voter parce que grand pile baraque que pas d'accord parce que considérer que son dette que l'administration pral fait sous le pays donc ils n'ont pas d'accord avec ils demandé pour des concessions qui fait que démocrates pas d'accord et c'est donc qui fait que samedi vote a été fait à 50 voix contre 49 dont 50 démocrates ont voté pour et 49 républicains ont voté contre. Raison fait pas de 50e républicain parce que des grands républicains qui ont empêchement, il y a des grands familles qui mourent et ils étaient allés dans funérailles, dans funérailles, ça c'est donc ça fait passer. Et alors, les nouvelles à Kounia, donc déjà, démocrates ont été priorités soudain en même parce qu'ils ne peuvent pas commettre aucun erreur, puis ils ont perdu aucun député républicain pour supporter le projet de loi ça pour l'administration. Mais il y a seulement un grand démocrate qui lui-même peut être collé avec les républicains pour voter contre le projet de loi ça. Son projet de loi, d'abord, que le président pour prendre la parole encore, je veux dire, c'est un petit avant-goût de bail sous sa pensée de vote là, qui se représente. C'est une victoire pour libérer parce que ça fait partie d'une promesse de campagne qu'il a fait depuis qu'il a mené une campagne électorale là, qu'il a dit lui-même. Et s'il montait président, mais il a remembré l'économie et c'est exactement sa projet de loi. Ça peut permettre que l'IFE n'emporte assistance à la famille, l'école et plusieurs autres couches dans la société. Et président, tout, d'après la Maison-Blanche, dernier note que la Maison-Blanche fait, qui dit satisfait avec ce qu'il fait dans le Congrès, eh bien, vendredi, qu'il a venu là. Président Joe Biden a signé un projet de loi qui va tourner en loi et à partir de fin mois mars là, donc d'ici fin mois mars là, à partir de l'être signé là, et bien famille qui par exemple famille individuelle qui a touché jusqu'à 75 000 $ pour recevoir 1 400 $. Nous allons prendre Jean Aubert sur la donne. Faut chercher qu'on est moi, faut regarder le budget pas pour moi. Et puis coupio et Jacqueline, coupio eux-mêmes capturé jusqu'à 150 000 $. Et ben eux-mêmes tout y a pour recevoir et 1 400 $ à Sciences qui portait un ouf dans l'économie qui présentait pour ton gros bourrade pour relancer l'économie pays. Merci Jean Aubert Philippe. Jean Aubert Philippe t'a parlé nous de un vote historique qui s'est fait là. Et pour un pile spécialiste, c'est la plus grosse victoire que Joe Biden remportait depuis le prend pouvoir le 20 janvier. C'est la plus grosse victoire que le remportait dans le Congrès. Parce que ça pas facile. Nous voyons que grand pile difficulté pour le passer dans le Sénat. Et Jodia, comme nous entendons, 220 voix pour et 211 contre. Donc, Antijan serré. Et l'autre point dans l'actualité autour sur la voie de l'Amérique, nous allons mettre depuis Washington DC. On va suivre Rendez-vous Info. Nous prenons dans le pays d'Haïti, Association nationale magistrat haïtien, ANAMA, Association professionnelle magistrat, APM, avec Réseau national magistrat haïtien, RENAMA. Et bien, on demande aux magistrats de toute juridiction pays pour continuer à respecter le mot d'ordre grève là. Un reportage, Massado Vilmé, depuis Port-au-Prince. Président Association professionnelle magistrat au juge Martel Jean-Claude, salier confrère Lio qui respectait mot d'ordre grève plaisir association dans le système dans lancé depuis 14 février passé. Nous autres, des différents syndicats de magistrature, nous dressons un bilan qui est satisfaisant, un bilan qui est positif, parce que juge, magistrat, ils répondent favorablement à l'accueil et tribunal, ils fonctionnaient au ralenti, puisque nous avons dit que. Pour des cas extrêmement urgents et qu'ils sont capables de décider. Nous remercions les magistrats et nous continuons à demander pour respecter le mode de grève là, pour camper le travail et nous attendons les différentes revendications que nous adressons. Ils sont satisfaits. Je vais prendre qui c'est d'abord l'altercation de arrêté qui a été envoyé à la retraite de manière illégale, 3 juges de la Cour de cassation. L'autre arrêté qui procédait au remplacement de ses juges et réintégration créfier à tribunal de première instance par les Bocquets, qui c'est Christophe Lesperos. Une grève qui paraît sans conséquence sous détenu qui fait menace carcérale, c'est nous qui mettre Ornel Rémy, porte-parole collectif avocat pour défense droit monde dans pays à cadeau. Impact grève là, est énorme. Attendez bien, journaliste. Impact grève là, est énorme. Hier, je me suis rendu au pénitencier national. Je suis sorti en larmes. Nous sortis, m'a crié. Actuellement, là, la population carcérale du pénitencier national est à 5 000 prisonniers.
5000 personnes qui vivent mal. C'est vrai qu'ils ont calé dans les cellules. Si l'autorité n'a pas levé, pas dit que l'on a levé, tout le monde est en prison, mourir, tébé, grand goût, mal manger, etc., mal baigné. Donc il faut que les autorités fassent de leur mieux pour s'asseoir avec les protagonistes, pour lever grève, parce que l'avocat n'a pas qu'à travailler. Je dis comment on dit, l'assise criminelle n'a pas qu'à organiser. Tribunal n'a pas qu'à fonctionner. Moun yo an dan prison, moun yo a viv des situations difficiles. Et grève ça, mes amis, grève ça a un gros impact. L'on malheureux dans nos pays, pas qu'à le tribunal. L'on malheureux, pas qu'à gen sa kele le droit d'accès à la justice respecté. C'est une violation des libertés individuelles. Sous bon pas juge Mackinson et du mécroit, c'est pas seulement qu'on peut travailler qui paralyse le système judiciaire. Et exécutif là, l'État, lui déjà mettait les grandes juridictions de la République en arrêt de travail par rapport eh bien à climat d'insécurité que lui créé en dans pays là. Lorsque je dis à Port-au-Prince, même lorsque pas ta gain arrêt de travail, mais jugio parquetier yo personnel judiciaire là, li pas ta ka aller je dis à dans tribunal, je dis à sous bisantin là. Nous tout connaît qui niveau problème ça y est. Le grand au cap c'est impossible. L'homme prend quoi des bouquets, l'homme prend naïf. Donc ça veut dire que je dis à l'imander en prise de conscience au niveau et l'État pour que vous compreniez. Nous non société côté nous fait choix de démocratie. Démocratie a n'est pas qu'à marcher sans justice. La justice c'est pilier qui est important dans la démocratie. Mais malheureusement nous ouais. Eh bien, autorité qui placée au plus haut niveau de l'État, yo, yo pas comprendre nécessité, je dis à pour yo rendre justice la li indépendante, rendre justice la li autonome. Dans un tweet, ministre justice et sécurité publique là, met Okfile Vincent Fernanda tweet mars passé a fait qu'on est juge pas qui doit décréter une grève indéfinie. Numéro un ministère justice la dit mouvement ça pas fait on est magistrat yo. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovilmé pour la Voix de l'Amérique. Merci, Massia Dovilmé. Il faut dire que avant même renforcement mot d'ordre grève ça, président Cour de cassation, Maître René Sylvestre, a exprimé inquiétude li par rapport à durée grève magistrat dans 18 juridictions PIA. Yves Manuel, t'es penché sur ça. Le Conseil supérieur pouvoir judiciaire déclaré li préoccupé par rapport à mouvement grève qui t'emmène dans 18 juridictions pays d'Haïti depuis plus passé un mois et demi. Président CSPJ, Maître René Sylvestre, espéré discussion qui en couille bon côté acteur dans l'appareil justice là pour te fuir. Le Conseil supérieur pouvoir judiciaire se sent concerné au plus haut niveau par les grèves à répétition qui handicapent le fonctionnement des projets tribunaux. En ce sens, il se doit de le devoir de trouver la meilleure formule pour sauver la judiciaire et traiter le maximum de dossiers possibles. Il fera en sorte que la discussion puisse aboutir à des décisions qui renforceront l'esprit de corps des magistrats et qui prendront en compte le droit à la justice des citoyens. Président Serge Président a profité au cas jouant pour annoncer qu'il recevra requête diverses associations magistrats qui mandent pour ne pas recevoir prestation de serment. Trois juges président Jovenel Moïse étaient nommés en remplacement de trois autres juges cour cassation ont arrêté présidentiel voué en retraite. Collègues magistrats, toutes les décisions prises par la Cour de cassation sont basées sur la loi. Je vous donne la garantie formelle. Les juges de la Cour de cassation se référeront toujours à la loi pour analyser toute requête et rejetera toute interférence, généralement quelconque, qui portera atteinte à leur indépendance. Maître Sylvestre, by garantie, c'est la loi qui toujours triomphe dans toute décision. Institution la dirigée apprend. Justice là, pas un droit mêlé à politique. Président CSPJ en fait connaître, il toujours rappelé phrase ça à magistrat. Ce seule façon, selon ça, le souligner, pour qu'imbé indépendance pouvoir judiciaire. L'indépendance du pouvoir judiciaire. J'ai toujours profité de chaque occasion pour rappeler aux magistrats de rester dans les limites de leurs attributions et de s'abstenir d'entretenir des relations inappropriées avec les membres des autres pouvoirs et avec les partis au procès. Je leur ai toujours rappelé d'éviter de se prononcer publiquement sur les faits d'actualité et de rester hors du jeu politique pour ne pas affecter le caractère équitable de tout éventuel procès.
juge René Sylvestre fait déclaration sa yo dans cour cassation pendant une cérémonie qui était organisée pour marquer journée internationale droit femme yo dans pays d'Haïti. Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour la Voix de la Mer. Merci Yves Manuel, président Anama Jean-Wilner Morin exprimé appréciation pour discours président Conseil supérieur pouvoir judiciaire maître René Sylvestre fait tant cour et correspondant dans ce deal dans date 8 mars qui s'est passé là. Et dans la cérémonie ça et président Conseil supérieur pouvoir judiciaire là qui c'est président de la Cour de cassation tout les comprendre nécessité pour que la cour ait montré que les solidaire avec la lutte des magistrats. Et dans propos président lui faire ressortir que et bien que magistrat doit gagner un devoir de réserve, mais faire ressortir que magistrat autour de travail en toute indépendance et que l'autre pouvoir pas capable d'initier un travail magistrat a fait. L'idée mettait accent sous correspondance que différentes associations ont été présentées. Il dit que les recevoir correspondance ça. Côté correspondance ça, nous-mêmes nous demandons que pour ne pas recevoir prestation serment nouveau magistrat que c'est exécutif là nos mains en dehors de la loi. Donc président dit que les gagnants la cour lui-même c'est avec la loi l'attachée, la cour gagne pour trancher sous correspondance là. Ça montre nous que président solidaire elle pral puisque l'attaché avec la loi. Et que c'est la loi nous-mêmes nous dit dans la correspondance là, président campé bon côté tout magistrat. Et me connaît tout président pas ta jambe à prendre l'autre position parce que son magistrat de carrière. Étant magistrat de carrière, président fait œuvre qui vaille lorsque lui-même n'a propos lui publiquement, officiellement, lui campé bon côté magistrat. Donc nous saluons propos ça et n'attendons officiellement. On réponse à correspondance là. Donc c'était président Association nationale magistrat haïtien Anama maître Jean Wilner Morin ou sous la voix de l'Amérique n'a pas mettre depuis Washington DC. C'est rendez-vous info qu'on y a yon annonce service public la voix de l'Amérique dans Washington. Masque moi protéger ou. Masque ou protéger moi. An nou yon protéger l'autre. An fait coucou rouge derrière coronavirus là qui continue à faire des gains dans monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas joué. Mettez corps, veillez corps. Donc c'était une annonce service public la voix de l'Amérique dans Washington toujours dans le pays d'Haïti. En campé c'est non un mouvement étudiant en dans université l'État précisément dans Inagé qui organisé jeudi mercredi 10 mars 2021 une conférence débat sous thème entre amendement réforme et application qui ça nous de fait à constitution 1987 là professeur et leader politique Victor Benoît te yon nan conférencier yo li pa quoi que changement document c'est une bonne idée amendement ou révision je réponds que le pays n'a pas besoin de révision constitutionnelle. On n'a pas besoin d'une nouvelle constitution. Car tous les problèmes de fond qu'il y a dans cette société, en termes de menaces sur les acquis démocratiques, en termes de notre pauvreté de plus en plus galopante qui nous conduit à l'abîme, la constitution n'a rien à y voir. Au contraire, c'est parce que la constitution n'a pas été appliquée que l'on est dans cette situation. Est-ce à dire pour autant qu'il ne faut pas modifier, que l'on ne pourrait pas penser à un amendement? Il n'y a pas d'œuvre parfaite. Bien sûr. Il faudra, quand l'occasion s'y prêtera, faire certaines modifications. Mais non pas pour aller, pour retourner au régime présidentiel, pur et dur, renforcé, mais c'est pour avancer, pour faire avancer davantage la démocratie, pour qu'on ait plus de stabilité
Il n'est pas question de faire marche arrière. Alors, pour moi-même, la réponse de l'immédiat, c'est ni. Ni révision, ni amendement de l'immédiat. On n'en a pas besoin. Il y a des problèmes politiques à résoudre d'abord. Il faut créer une ambiance politique où l'on peut avoir des débats réels, où l'on peut avoir l'institution parlementaire. C'est à partir de ce moment-là que l'on pourrait envisager un amendement. Donc c'était professeur Victor Benoît, dans le cadre des conférences débat ça que Anne Campé, mouvement étudiant en dans l'université l'État, te baille sous thème entre amendement, réforme et application, qui ça nous doit faire à la Constitution 1987, là, dans le moment que nous avons parlé pour fêter 29 mars. Et puis, l'autre point dans l'actualité, nous parlons en province, plus précisément dans le département sud-pays, à côté, sous initiative gouvernement, département sud-là, où se voyons opérateurs d'oxygène, yon appareil qui pral produit oxygène pour malades qui gagnent difficulté pour respirer, spécialement si la yo kap soufri avec pandémie COVID-19 la. Yon reportage Jean-Ernst Eliska depuis Vilokay. Nan objectif pour faire face carré à pandémie COVID-19 la dans région sud de pays ya, représentant exécutif la dans sud, délégué Serge Chéri, annoncé arrivée yon générateur d'oxygène dans département. Yon appareil qui pral produit oxygène pour malades qui en difficulté pour respirer dans l'hôpital privé coût public. Délégué Serge Chéri. Mais je dis objectif en compte nous là, c'est nous devons recevoir un générateur d'oxygène que à travers le gouvernement et les pays d'Haïti que nous devons recevoir là dans le cadre Covid là. Et non seulement le générateur ça a dit là pour Covid, mais là plat pour permettre que l'hôpital yo avec l'autre centre fonctionne parce que nous connaissons la technicité ça, c'est le docteur Février qui vient. Mais son bail que nous avons bataillé depuis longtemps et pour lui depuis le Covid là annoncé, mais il arrive là et nous pouvons arriver dans un bon moment. Et côté il va servir des services de population sud là, il va desservir le centre de santé ou l'hôpital. Yo. Et c'est l'agent l'État haïtien et c'est le gouvernement haïtien et qui mettait à la disposition du département du Sud-là. Directeur départemental sanitaire Sud-là, Dr Jean-Bernard Février, fait connaître, c'est un matériel qui va gagner en pile importance pour différents centres hospitaliers qui sont dans 19 communes du département Sud-là. Son initiative qui était faite dans le cadre de COVID, mais qui a pu être arrêtée pour la population, pour résoudre le problème d'oxygène que nous connaissons, que c'est une intrant qui est indispensable, certaines fois, dans la prise en charge malade dans le milieu hospitalier. Et ce n'est pas pour sans raison que nous mettons le générateur d'oxygène, ça, nous ne mettons pas dans l'hôpital. Nous mettons dans la direction départementale là, que ça veut dire, c'est pour tout l'hôpital, que ce soit privé ou public, c'est une initiative qui est centrée sur le patient, sur le malade là-même. Pour résoudre le problème, ça, déficit, ça, pour chaque fois que manque d'oxygène, c'est bien le problème d'oxygène, pour ça résoudre dans le département. Générateur d'oxygène, ça, là, capable de produire 17 bonbonnes par jour. Ça permet que l'hôpital soit capable d'approvisionner à moindre coût pour oxygène, ça, qui est accessible pour tout patient. Quel gain, quel pari, quel pour ne pas attendre dans le sud, dans le département sud, pour les gens qui ont des problèmes, qui sont morts, soit dans l'hôpital privé ou public, c'est peut-être oxygène. Pour bien gérer l'opérateur d'oxygène, on a déjà formé une équipe technicien qui a gagné pour faire entretien dans l'appareil. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique, au CAI. Merci Jean-Ernst Eliska et c'est avec dernier correspondant ça que n'a mettez fin dans programme aujourd'hui à n'a dit que vous capable suivre nous sur Facebook ou capable suivre nous sur Twitter ou capable suivre nous sur Instagram et ou capable suivre nous sur voanouvelle.com donc toute option ça yo nous gain sur la voie de la main. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, on content retrouver nous après une petite vacances tout coûte et nous souhaitons nous passer une bonne soirée donc à demain. Moi c'est Jacques Lambélisère. We'll be right back.
parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou patience ou. Moi pour aller m'a quitté non bra papa Bodje parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie à la santé. Merci parce qu'on t'a suivi avec attention. Au revoir, à la prochaine. Non pam, c'est Foucault. M'ramasser paquet moi. Cause habitant pas miser la ville. M'braler. Mais m'a quitté non bra papa Bodje parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba ou la vie à la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. N'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.